La musique est un peu forte. Salut. En fait, il n'y a que Adesama et moi qui avons écrit. Voilà, bonsoir, on va lancer, c'est vrai que c'est le vocal qui était là depuis. Ah là là, bon. C'est parti. Donc j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon samedi. Voilà, c'est ma tête. Coucou. J'espère que vous entendez bien nos camarades Adesama et Oyama en vocal, plus que le son du jeu, voilà. Attention, je leur parle beaucoup. Oui. Très fort. Très fort. Voilà. Vous ne pouvez rien faire contre cette voix. en tout cas, je vais essayer de continuer. Parce que tout à l'heure, quand je faisais mes tests à la manette, là, j'avais croisé un ennemi. Ça va, je me suis bien débrouillée. Donc, je pense que le skill sera là ce soir. Mais... Voilà. On croise le pour toi alors. Voilà, c'est ça. Je veux voir. Donc, oui, Oméga. C'est parti. Ah, je veux au moins que tu finisses ta première run ce soir. Non, ce serait... je pense que ça va être très compliqué. Non, non, en vrai c'est possible. En vrai c'est possible. Là où t'en es, c'est possible. Ouais. Si tu galères pas trop, c'est possible. Enfin, si je galère pas trop. Si tu galères pas trop, normalement ça peut. Ah ok, d'accord, ça tombe. On va aller par là. Il n'y avait rien par là, si. Allez. Oui, il y a une poêle à frire par terre. Vous voulez ramasser cet objet? Oui. Allez. Poêle carbonisée, d'accord. C'est une arme, c'est une arme. Ah, il me ramène par là, ok. Ok. Et de l'autre côté... Il me ramène par là aussi. J'ai une petite arme. Ok, d'accord. C'est tout. C'est déjà ça. Mais non, attention. Attention, attention. Non, en vrai, ça doit le retard, ça. Ouais, mais moi j'en ai un, j'ai l'impression qu'il est vachement rond. Actualise. C'est ce que j'ai fait. Il me dit... j'ai 10 secondes. Attends, ce diffuseur, au moins il est en 5-6 secondes, c'est tout ce qu'il me dit. Ok, ouais, on peut pas aller par là. Sur les plateformes flèches. Ah, elle a pas passé encore l'énigme. Pyrolier se balance vers vous. Qu'est-ce qu'on va lui faire? On va le réchauffer? Vous augmentez le thermostat, Pyrolier, sans monter l'excitation. Chaud et chaud, brûlant, brûlant. Oula. Attends, je vais utiliser les joysticks. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai un effort. Refroidir. Vous soufflez sur Pyrolier, ses flammes faiblissent. L'attaque du Pyrolier diminue. Ah, cool. Brrr, c'est quoi l'embrouille? Oh là là! Je vais me frotter dessus. Bon bah on va continuer de le refroidir. Hein. Ok. Brrr, c'est quoi l'embrouille? Oula, oula, oula là. Oups, ah, je passe par les flammes, ok. Oh, ça va, hein! Ça va être rigolo! Ça va être... Oh, je vais péter le rire! Mais... Oh là là! Oh là là. On va tester invité, voir. Mais... Ah ouais. Mais qu'est-ce qu'il y a? Faut que tu l'invites. Vous tentez de vous lier d'amitié avec Pyrolier. Désolé, j'ai les mains liées. Ah bah oui, logique. Non, de mémoire, je crois, faut juste chauffer 2 fois. Ouais, 2 fois, puis... Ouais, genre si tu chauffes 2 fois, je crois qu'il y a... Je fais 2 fois et après faut l'inviter. Ouais, faut le chauffer, réchauffer 2 fois. Ok. 2 fois de suite. Chaud, 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 brûlant. Bon, moi, faut que je continue de TF un peu quand même. Réchauffer 2 fois. Ah, Ah ouais, d'accord, ça change. Ouh là là. Et du coup... Ouh là là. Ouh là là. Ouh là là. Je me fais avoir un peu beaucoup. Et du coup, après... Ah, il me... Ok. Super. Et par contre, après, tu vois que dalle de ce que tu fais. Ouais. OMG, j'ai la vie de la dernière touche. Ouais, d'accord. Dis merci quand on est poli. Ah, merci, oui. Bah oui, c'est gentil. Je suis concentrée, c'est pour ça. Ah mais Alphys la spammeuse. Ouais, c'est la spammeuse, pire personne. J'ai appelé à accrocher avant qu'on puisse répondre, ok. Ah. Salut le chaton 65. Oula. Je crois qu'il faut... Ah, salut. Ouais, j'ai l'impression qu'il faut débloquer ce truc. Ah. Non, attends. Tiens, voilà, c'était lui, son laboratoire à lui, là. Mais c'est lui, comment il s'appelle déjà? C'est une fille. C'est une fille, ok. Elle s'appelle Alphys. D'accord, ok, d'accord, c'est elle. Ok, ça marche. Alors les lasers bleus, je veux dire ici, Alphys, bonjour, les lasers bleus, ah salut le chaton, et merci Raka de bien me soutenir. Mais c'est pas fini d'empêter Daphnée. Oui, merci. Oh, mais vas-y, viens. Oh là là. Les lasers bleus ne font pas mal si tu ne bouges pas. Pour ce orange, tu dois être en mouvement. Et ils ne te feront pas avant ça traverse le laser. À toutes. Les oranges, faut que tu marches dans eux, ils te font pas des dégâts, et les bleus, ils vont bouger. Et faut que tu... Quand ils vont te passer dessus, faut que t'arrêtes de bouger. Ok, d'accord. Moi, celle-ci, OMG, je l'ai fait, mes griffes n'avaient pas autant tremblé depuis qu'Undyne m'a demandé de la météo. Alphys, casse-couille. Oui, Alphys, c'est trop... C'est vraiment le pire perso du jeu, hein. C'est un délire. Ah, j'ai bougé au moment... Comment... Oh non, comment t'appelais ton perso? Attends. T'appelais comment ton perso? Je l'ai appelé Didier. Didier, mets-toi en mode avion. T'auras plus les notifications. J'aime bien le ah que j'ai vu en mode. Une fois que tu te fais attaquer, il y a un moment où tu peux sprint comme un... Oh là là. Ah, les Daphnée. Oui. Est-ce que ça va être la première de Daphnée? Ah non, pas une mort sur ça. Ouais, j'avoue que ça serait... Bah oui, mais de toute façon, moi, faut pas faire attention. Ah, mort sur ça, je me fous de sa tronche, hein. Mais vraiment, mais méchamment. Bah allez-y, hein, écoute. Ça me fait franchement, je suis pas à ça près. Hein. C'est un interrupteur, appuyez, vas-y. Les lasers ont été désactivés. Merci. D'ailleurs, je savais pas si j'ai de quoi me prendre des vies. Est-ce que je vais me le garder pour après? En fait, on peut pas savoir parce que vu la latence. Oui. Ça va être oui. Ça va. Parce que là, j'ai 4 PV sur 36. Faut, la poêle déjà, faut que tu te l'équipes. Oui. Ok. Parce que PO carbo. Oui, c'est une arme. C'est comme le bandana avant et le rubis. Le nuit instantané, il me semble que j'en ai qu'une seule. Oui, et ce serait con de l'utiliser maintenant. Bah j'ai que 4... Avec Daphnée, on sait jamais. Lui dire où aller... Bah oui. Voilà, instant super. C'est une poubelle mais avec des filtres roses scintillants. Super, d'accord. Oui. Ici Alphys. Ah, et une engine, c'est... La porte au nord reste verrouillée tant que les énigmes à gauche et à droite ne sont pas résolues. Je pense que tu devrais aller à droite d'abord. D'accord. Ok. On va aller à droite d'abord, on va la suivre. Oui, c'est les énigmes. Allez. C'est des énigmes simples. C'est vrai que... Je me rends compte que les dialogues, moi je les skip maintenant. Oui, moi aussi, je les connais plus. Je connais l'histoire, mais je les connais pas. Bah, moi je les connais pas par cœur, j'ai fait une fois en écoutant l'histoire, mais après je me suis... Vers le boulot est bloqué, j'ai suivi les missions de Mettaton sont portables, les effets spéciaux étaient incroyables aujourd'hui, cet humain semble quasi réel. T'as pas discuté avec tout le monde en plus. Oh non mais elle est trop chiante. Mais quoi? Mais laissez-moi jouer tranquille. On était gratos là, les chiantes. Ah c'est ça la fille populaire de l'outre-monde. Si elle arrive déjà à l'hôtel Mettaton... Ouais. J'avoue. Attends, c'est à l'hôtel Mettaton qui a me fait de moi. Okay. Avant. Ah oui. Oula. En vrai, me fait, il y a un moyen ultra facile de la passer. Oh, oui, j'aurais dû le lire avant. Elle n'a pas pris l'item qu'il fallait, donc elle va galérer. Que en pacifiste. Au fond, tu peux faire en pacifiste. Attends, ou normal. J'aurais dû... Ouh. Voilà, lire avant, je pense. Tirer sur le vaisseau ennemi, déplacer les boîtes pour compléter la mission. Il y a un petit... Attendez, parce que moi, faut que je fasse un truc. La porte qui mène à l'autre zone est fermée. Du coup, j'ai essayé l'énigme, mais j'étais sans cesse à cours de munitions. Et ça redémarrait à chaque fois. Ça fait planter le live. Ouais. Et mes deux collègues... Le live a planté. Ça, c'est Mako, ça. Hein. À force de tauter, hein. C'est Mako. Bah ça, c'est Mako, hein, j'y peux rien. Daphnée, le live, il est cassé. Ah. Oh non, mais ma surprise, moi. Je vais relancer, c'est Mako, hein. Parce qu'il y a vocal et tout en même temps. Je vais fermer... Hop. Je vais fermer les fenêtres. Il est relancé là maintenant, non? Et Raka, tu dis tout le monde arrêter de taunt, hein. Franchement. Le château ne pas. Est-ce qu'il est relancé là ou pas? Toujours pas? Je sais pas. Le live a été relancé là. Peut-être. Ok. Ah oui. Ok, merci, c'est bon. Parce que c'est en rouge, mais je suis en... Bon, bref. C'est juste ramener juste pour dire ça. Le live il est cassé. Oui merci oui merci Raka. En fait moi au début j'ai cru que c'était genre que pour moi que c'était cassé. Non pour moi aussi. Bon là en fait Daphnée ce que tu dois faire c'est que tu dois tirer sur la flèche blanche mais t'as que 2 balles. Et comment je Ok c'est comme ça que je déplace les... Et en gros tu dois juste mettre un bloc sur le coin, en taper un et taper sur la flèche. Ok, merci. On a réfléchi en même temps. Merci. Ok. Vous avez vu l'annonce de Zerator en fait? Ouais. C'est un troll ce gars. J'ai pas vu, c'était quoi? En gros, il a créé une LAN sur 10 jeux. Avec un cash prize de 50 000 balles. Avec un cash prize de 50 000 balles. Ok. D'accord. Possible de passer à travers ce laser bleu, mais en tant que scientifique royal, j'ai plus d'un tour dans mon sac. Pirater la base de données de Calciter et les désactiver. Clic. Non, je le laisse sur le chat. Pourquoi je le sens pas bien? C'est bon. Attends, option avancée. Je l'ai relancé moi, c'est parce que j'ai 5 secondes de latence. Je crois qu'on va se contenter de rester planté là. D'accord. Traité à voir. Donc, faut arrêter de parler aux personnages secondaires. Et ça gère à tous les coups, ils ont donné l'école. Mais je fais ce que je veux. 6 secondes de latence aussi. Ouais, donc on a la même latence. Oui, mais moi je me mets sur ma 4G donc c'est vrai. C'est pareil que l'autre côté, d'accord. Moi je suis fibré, ouais. Sauf que c'est juste c'est un petit peu plus dur du coup. Je comprends maintenant. Ok. T'inquiète pas, j'ai fait Zero Escape, c'était comme ça. Il y avait des trucs plus compliqués que ça dans Zero Escape, donc ça va, je suis vacciné. Hein. Il est pas compliqué, vraiment. Oh, non. Faut juste comprendre le truc. Quoi. Bah voilà, double espace. Non mais elle a la manette. Ah. Oui, j'ai la manette, ouais. Je joue moi, je joue au clavier, ça fonctionne. Ah non, moi, je suis pas à l'aise au clavier. Ouais, le clavier, c'est une purge. C'est peut-être pour ça que je galère maintenant sur Sans. Ouais, bah, il compte Sans, le clavier, c'est une purge. Je pense que... Et à propos des énigmes à gauche et à droite, elles sont assez compliquées à expliquer, mais... Et tu les as déjà résolues? Génial! Ouais. Hey, Raka. Ouais, merci Raka. Raka, tu te calmes. Ouh, ouh. Raka, calme-toi. Hein. Hey, Raka, tu es venu et tu es parti. donc tu n'as aucune légitimité. Ah, et il y a Samouraï aussi du coup. Salut Samouraï. Coucou. Il y a le chef. Il y a le chef, faut que j'arrête les bêtises. Ah non, mais t'inquiète pas, tu peux continuer. Ah oui. Mais t'as lu le Samouraï, c'est plutôt sombre ici, je trouve pas. Cette partie-là du Calciter. Ah oui, moi j'ai le genre l'anglais moi. Cuisine avec un robot tueur. Oh. Bienvenue mes beautés à l'émission Cuisine Vedette de l'autre monde. Robot tueur en cuisine, super. J'ai fait vos faux car aujourd'hui nous proposons une recette très spéciale. Nous allons préparer un gâteau. Non mais si vous voulez, je peux revenir, hein. C'est super intéressant. Hein, comme tu veux, Raka. Il y a une époque, je faisais du voice acting sur la voix de Mettaton. Ah, t'es la ninja samouraï. Ouais, bah ouais. C'est fort. Hein. Bah c'est... Bah du coup, ouais. Par une autre que cet adorable humain. Veuillez l'applaudir bien fort. Bravo. Déclapa. Il nous faut du sucre, du lait, des œufs. Vas-y, mon sucre d'orge. Voilà. Sucre, du lait et des œufs. Là, il y a des œufs. Là, il y a du lait. Et là, c'est du sucre. Ouais. Parfait, excellent travail. Beauté. Ouais. On a tous les ingrédients pour préparer le gâteau, du lait, du sucre, des œufs. Oh là là, attendez, un tout petit instant, comment ai-je pu oublier? Il manque l'ingrédient le plus important. Une tronçonneuse? Ah! Oh non! Voilà. Hein? Il manque l'ingrédient le plus important. Une âme humaine. Des fritas. Si tu utilisais un substitut pour la recette. Un ingrédient non humain. Pourquoi? Quelqu'un soit végétalien. Ah, bah évidemment. Il m'a sauvé la vie, merci. Enfin, elle, pardon. Puisqu'il nous faut ici, substitut super pratique, saveur âme humaine. On va se trouver justement là-bas sur le comptoir. C'est un peu loin quand même. D'accord. Non, 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 t'inquiète pas. C'est pas encore assez loin. Il y a Naru aussi. Ah, coucou Naru. Tout le monde est... Il y a tout le monde. Qu'est-ce qu'il nous raconte? J'ai fait un trop gros teasing. Ah. D'ailleurs, notre émission a un planning très serré. Si tu ne peux pas obtenir la boîte se conserve pendant 10 minutes, nous devrons nous contenter du plan initial. Tu peux commencer à grimper, beauté. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Puis assez de temps pour grimper. Quoi? Heureusement, j'ai peut-être une solution. Quand j'ai amélioré ton téléphone, j'ai ajouté quelques fonctions. Ce gros bouton... Jetpack. SF to win. Je rapporte de l'amour dans le chat. Merci. Naru, arrête la poésie. Le téléphone jetpack. Naru, il rapporte de l'amour dans le chat. C'est trop bien. Merci Naru de rapporter de... Voilà. Parce qu'il va y avoir du sel, donc il faut mettre de l'amour un peu quand même, de temps en temps. Parce que... Bon, là du coup, Daphnée, il faut juste que t'esquives. Bah oui, il faut que j'esquive, ouais, je vais esquiver, enfin essayer. D'abord, round, c'est ultra facile. Tu bourres le chat d'amour. Oh. Ah, le tout petit. Non. J'ai adoré le chat d'amour. Non, mais ça va. Bonsoir, les CoolStream. Bon, la nuit. Oh là là. Daphnée, il faut esquiver. Mais j'esquive. Oh, mais ça tourne, ça c'est sale. Oh non. C'est pas des skis que je vois. Hein. Je suis arrivée, mais bon, c'était difficile. Oh, le skill. Oh, le skill. On le sent bien, le skill là. Pas surpassé, mais c'est seulement grâce à l'aide du riant docteur Alphys. Imaginez ce qu'il te serait arrivé sans son intervention. J'ai peur de l'amour aussi. Attends, on a fait un petit test follow parce que j'ai l'impression que... Attendez. 2 secondes. Voilà, j'apporte ça. What? Ah, désolé, c'est mon frère qui est pas rentré un peu à l'improviste. Je suis allée un peu demander ce qu'il voulait. Voilà. Ouais, t'es des beaux calculs. Non, Adesama. Adesama. Non. Qu'est-ce qui se passe? Non. Daphnée versus Frangin, c'est ça. Bah voilà. Oh, c'est quoi ce gros, ces grosses alertes? Oh mon dieu. Le raca qui vérifie les alertes en live. Le raca qui a quand même qui a beaucoup de délais quand même. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Gros délai, mec. Il y a un gros délai sur le live. Non, oui, c'est normal. C'est toi qui l'as pas. C'est toi qui l'as, Raka. Alors, bon. Comment moi, je peux avoir un gros délai? Il y a à peu près toute la cool stream. Allez, c'est parti. On va faire la petite surprise. Ah. Alors. Ah, tu veux faire la surprise? Ouais. Bah, vas-y, allez. Je connais la surprise, mais je l'ai fait avant toi, la surprise, hein, mon gars. Non, t'inquiète pas, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Attends, je te fais un petit truc. Ça des choses sales. Qu'est-ce que ça va être? Tori. Hein? Ah, oh là là. Eh, on fait les choses. Eh, on fait les choses bien, on les fait pas. Hein. C'est ça. Alors, j'arrive plus à MP. Ah merde. La surprise, la surprise, la surprise. Attends. Par contre, tiens, cadeau. Je t'ai chuchoté un truc sur Twi. Sur ton compte. Sur Twi. Sur Twi. Alors après, attendez. On prépare quand même. Qu'est-ce que c'est la surprise? Qu'est-ce qui fait monter live ou quoi? Oui, je fais quelqu'un qui fait monter live pendant une semaine. Il aime ça. Non. Ouais, je fais la vague à la surprise. Alors, on va se cotiser. Bah alors, c'est quoi la surprise? C'est où? Je t'ai envoyé un truc en MP. Où ça? Twitch. Ah bah je suis... Si je veux une fenêtre Twitch, le live va laguer. Hein. Dans CoolStream ou dans CoolStream ou... au pire, je te le... Attends, je vais te le MP... Bah oui, hein. Il faut penser à ça. Par contre, voilà, t'as une grosse fenêtre follow quand même, hein, Daphnée. Je te dis pas ça. Une grosse quoi? Une grosse fenêtre follow. Les alert box. Ah ouais. Ben, je sais pas... Je sais pas, je pense que j'ai pas réglé. C'est envoyé. Que du professionnalisme. Oh, t'es pas à une catastrophe près, ça va, moi c'est moi qui ai la palme à chaque live. C'est un code de téléchargement d'un jeu. Mais vous savez quoi? Je vais regarder ça à la fin. Je vais regarder ça à la fin. Ah non! Suspense. Bah... Ça détruit mes surprises. Bon, allez. On fait ça maintenant. Voilà. Par contre, je sais pas si on vous entend encore. toute cette logique. Non, 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 c'est le live qui va laguer. Non. Non. Merci, merci de me prévenir pour le son. Mais du coup, je sais... Est-ce qu'on entend ou pas nos amis qui sont en vocal? Je pense pas, hein. C'est ça que je demandais, en fait. Ah là là. Pour ceux qui resteront sur Discord, normalement, on vous entend, c'est bon. J'ai switch ici parce qu'on n'entend rien du tout sur le chat. Hein. Ouais, elle patronne, Non mais maintenant c'est bon, maintenant j'ai réglé. Ah c'est bon, c'est revenu, on entend enfin tout le monde. Oui c'est bon. Ah ok, bon bah je peux retourner au live. Alors bon, allez, bisous bisous. C'est Oyama qui nous fait faire des énigmes là. Alors là, tout ça pour un jeu, qu'est-ce que ça va être? Est-ce que c'est le bon mot de passe? Ah, attends. Hop. Et moi je vais jouer à Undertale aussi, hein, du coup. Oh, la fenêtre, je oh. Qu'est-ce qu'il me fait? Ah mais non, t'es sérieux? Oh, c'est galère. Bon, je suis ennuyé parce qu'il y a quand même un sacré décalage. Ouais. Oyama, fallait pas me faire ça. Moi je me suis dit on le faire à la fin. Parce que là, vu que je l'ai ouvert avec Firefox, un nouveau navigateur, faut que je prenne un... En fait, Oyama, c'est un gros troll. Yeah, merci pour le sub, Oyama. Il fait ça. Ah, il fait ça, mais... D'accord. Mais c'est gentil. En fait, il t'a troll depuis tout à l'heure, en fait. Mais le code, c'est un faux. Clap, clap, clap. Oui, la clé Steam est totalement fausse. Hein. Mais du coup, vous vous foutez de moi, c'est ça? C'est pas drôle. Non, moi je te courant, mais c'est lui, c'est de sa faute, c'est pas moi. Je vais quand même continuer ma quête. Non, 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 elle est totalement fausse, je viens de la créer. Si, non, mais là je viens de faire tout ça pour rien, donc je continue ma quête, voilà, allez. D'accord. Parce que là, non. Continuez et récupérez. Bon, bah, moi je suis sûr. Comme ça, au moins Steam il connaîtra mon Firefox, il m'en mettra plus. Je me suis renommé exprès le troll là. Ça, c'est. Comme ça, au moins Firefox me fera. J'avais deviné aussi. Mais oui. Oui, en fait, vous aviez tous deviné, mais je voulais vous laisser. Je l'avais. Vous attendiez à quelque chose de malade. Voilà. J'étais juste un sub. Comme ça, c'est fait. Il n'y aura plus de soucis avec Firefox. Et ça fout. Allez, voilà. Go partager. Bah, merci pour le sub en tout cas. Et puis voilà, vous avez ma tête en gros plan. Super. On revient, c'est sérieuse. Ouais, ma tête en gros plan. Ouais. Et le live à la gueule. Ouais. Voilà. C'est bon, très bien. Et un bug de live. Eh bah oui. Bah oui, hein. Voilà, tout ça à cause de Yama. Salut, Kubel. Ah, j'ai pas le petit flocon. Non. Ouais, t'as un petit flocon maintenant, voilà. Et en fait, je l'ai fait avant, mais moi ça n'avait pas fonctionné, donc c'est pour ça que je vais redémarrer le truc. J'avais resub. J'avais resub un peu avant avec mon Twitch Prime aussi. D'accord. Bon, on peut continuer. Par contre, je me suis... Je retourne sur live vu que la surprise est passée. Est-ce qu'on peut continuer, hein? C'est pas possible, ici, vous êtes très difficile, hein. C'est bon. Oh, oui, Kubel. Par contre, j'entends plus le son du jeu. Oh, c'est quoi cette soirée de malade? Merci pour les bits. Ouais, on aime les bits. Les Omega Bitso. Voilà, c'était juste ça. Hein. Bah, c'est gentil, merci. C'est déjà beaucoup, hein, mon gars. Oui. J'ai un souci de mon côté. Attendez. Non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Ah, moi, j'en monté à 10 secondes, ça. Ouais, c'est ça, je suis monté à 10 secondes de délai. Alors, on a réussi, super. On a vraiment réussi, youpi. Bah, j'ai fait chez Daphnée, je suis fier de moi. Oui, bah tu es fier de toi, oui. Tu le mets sur ton CV, tu le mets partout, voilà. J'ai 3-4 heures de délai. Quoi? 2 Oh mon dieu, cette discussion. Quoi que c'est quoi? 1, 2 Les autistes, oui. Enfin. Je vois que t'ailles à droite. Ouais, je sais, j'explore, tout va bien. J'aime bien explorer. C'est bien explorer aussi. Droite. Après, c'est une planche chauffante. J'aime bien explorer aussi quand même. Ah, on va pouvoir enfin récupérer des vies. À droite. Oui. Vous êtes dans le... à droite. Ouais. Notre droite. Oui, notre droite. Aujourd'hui. Ah oui, on voit le corps. Non, 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 arrêtez. Le corps qui a... Vous êtes imprévisible. Oh. Les trolls sont pas sur le chat, ils sont sur le Discord. C'est ça, oui, exactement. Tu peux pas les Théo. Tu peux pas les modérer. Ah là là. Blair. Alors, ça c'est pas Blair derrière. Le noyau, la source magique de tout l'autre monde. Anti-énergie géothermique, entité magique. Grâce à... bref, c'est là où on se dirige. On se trouve un ascenseur qui mène au château d'Asgore. Et depuis là-bas, tu pourras rentrer chez toi. Super. Merci. Ouais, jamais, j'espère jamais, sinon je me désabonne, je suis choqué déçu, je désub, je follow, je me casse. C'est ça Fortnite, moi, jamais. Fortnite, si. Tu peux pas... Oh, t'es viré. Non, Naru. Au revoir, c'était cool, cette aventure. Non, non, t'inquiète pas. Tout le monde a son mot à dire, non, c'est pas... Naru, t'as viré aussi. Naru t'es ban. Ah, ban. Moi je pense que quelqu'un qui parle de Fortnite de ban. Non, devrait être exécuté en place publique. Mais non. Allez, ça y est, on fout. Je lance Apex. Voilà, Apex. Lancer Apex, c'est mieux. Bah, mon PC il explose quand je le lance. Ah merde, c'est dommage. Moi il fait un compte à rebours avant d'exploser. J'ai essayé d'y jouer. Non, mais il fonctionne bien. Le char est de ronfler derrière par contre. Oh. Ok, les mecs. Ah non, c'est pas maintenant. Non, ok. J'avais soif donc j'ai fait le chemin des chutes jusqu'ici pour boire un coup. Ok. Ah bah, c'est une fontaine, hein, on prend un verre d'eau. Ouais. Un verre d'eau. Attendez, j'ai récupéré mon chat. Tiens, un verre d'eau, tu veux? Normalement, il devrait ronfler. Bien distingué parce que ça marche pas. C'est gentil. Daphnée, tu t'es trompé de chemin. Ah bon? Oui. À la fontaine d'eau, ok. Pourquoi je me suis trompée? Est-ce que je peux explorer ou pas? Retourne au point de sauvegarde. Ouais. J'y suis. Pourquoi c'était un bug? En fait. C'est quand tu t'es battu contre Undyne. Tu t'es déjà passé. C'était par là? Attends, faut actualiser. Ouais. Ah oui, le labo, ok, d'accord. Merci. Mais non, mais le labo aussi, tu es déjà allé. Oui, du coup, faut que j'aille dans l'autre côté avec l'ascenseur. C'est juste que tu t'es trompé d'ascenseur. Ça marche. C'était... Bon bah moi j'ai mon chat qui est sur moi. Droite 2. Normalement c'est le... Ouais, ça doit être le droite 2. Ouais. Oui. Le chat. Le chat. J'ai pas un chat sur moi sinon je pourrais plus parler. Hé, moi c'est Touffe Flamme. N'oublie pas mon nom. Quoique... D'accord, Calciter. On pourrait croire que c'est un chat. T'es gros mon chat. Tu es gros. J'adore le dog. Il te regarde avec ses gros... C'est bizarre. Voilà. Maintenant, je suis seule, sans mes camarades en vocal. Voilà. Désolée pour les bugs de live, mais maintenant, ça devrait aller. Je peux pas tout faire en même temps sur mon PC. Enfin, le PC supporte, mais la connexion, non. Voilà. Donc, on continue. Qu'est-ce qu'elle me veut encore? Bonjour, c'est le docteur Alphys. Cette énigme semble basée sur le timing. Tu vois, c'est l'interrupteur. Tu vas devoir appuyer sur les 3 en moins de 3 secondes. Je vais tenter de t'aider pour le rythme. Ah. Mais... me faire rater le dernier? Oui, mais... T'es sérieuse? Ah, ok, d'accord. Oh, bah, cool. Heureusement. Hein? Et ouais, je suis de retour. Je serai plus active avec vous sur le chat maintenant. Alors... Quoi? La dernière fois que j'essaye d'aider pour une énigme PTDR. Ouais, bah, tu ferais bien. Ah! Hey, oh! Je vais aux toilettes, donc je serai AFK un petit moment. Je m'en fiche, je vais aux toilettes. Enfin, je sais que t'es pas les autres. Ouais. Alors. Ok. Je vois maintenant. Ok. Quand je reviens, ça change pas, hein? Non, ça change pas. Ok. Parce que même si je retente là... Ce qui me perturbe, c'est que au milieu, ça change pas. Ah, c'est bon! Ah, cool. Mais non! Je pense que Miu et Miu 2 est meilleur que le 1. Ok. Ok. Attention! Ok, je vais éternuer. Voilà! J'ai fait quand même 348 minutes de jeu, il me semble, c'est en minutes. Squeak, squeak, squeak! Le fromage sur les bords, il est collé à la table. Ok. Ah! En effet, le chaton, il faut la tuer. Mais... Coupe les notifs, Didier! Coupe les notifs! Faites comme moi, coupez les notifications. Et toi, là, pas un geste. La police. Oula, 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 oula. On a genre reçu des plaintes anonymes à propos d'un humain avec un pull rayé. C'est pas moi, monsieur. On nous a dit que l'humain se trouvait quelque part à Calciter, là, maintenant. C'est pas moi. Je sais, c'est effrayant, hein. Mais bon, relax, hein. On va t'emmener dans un endroit... Ah, ok, d'accord, ils ont pas su que c'est moi. Oh. Les gars, je suis devant vous. Hein, qu'est-ce qu'il y a, poteau? Le pull du fauteur de trouble? Eh ben, qu'est-ce qu'il a? Oh oh. Poto? Tu penses à ce que je pense? Trop la loose, c'est vraiment genre méga embarrassant. En fait, tu sais, on va carrément devoir te tuer et tout. Oh non! Vous pouvez me laisser partir? Non? Ok. On va essayer de nettoyer l'armure. Vos mains glissent dessus. Ok, je sens que ça va être dégueulasse. Ah! m'a murmuré cette fois. D'être honnête avec ses sentiments. Ouais. Oh non. J'ai juste à rester au milieu, ok. Comme entraînement en immobilier. Je vais remurmurer pour voir. Oh ça va, hein, tu es belle, tu vas pas t'y mettre aussi. Je pensais que tu me soutiendrais, moi. Ces sentiments. Oh non. Non. Non, une armure de 2. Peut-être nettoyer son armure. La crasse qui la recouvre commence à partir. Ah! Faire vos mouvements. Je vais bien murmurer. Le vert c'est le heal, je sais. J'ai essayé de l'avoir mais je me suis fait... Qu'est-ce que j'ai fait? Lequel? Ah oui, celui-là. Ouais, murmurer. Ouais. Je sais même pas si ça fonctionne ce que je fais mais bon, on le fait quand même. Alors les carottes là. Ouf. Ah c'était lequel? Du 2, mais il n'y a que le 2 qui transpire. Ou faut que je puisse le nettoyer. J'en peux plus. Fait trop chaud. Oula, c'est déshabillé. Beaucoup mieux. Préoccupé par quelque chose. Ah. Nettoyer, armure, murmurer, je pense. Ces sentiments, oula, 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 là. Oula, là, il tremblote. Genre, ah, non, 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 non. Oh, voilà. Le premier game over, super, ouais, trop bien. Je mets sur mon CV. Didier, garde ta détermination. Voilà, c'était le premier game over de la soirée. Je suis contente, mais il en fallait un. Par contre, faut que je trouve le bouton pour skip les... Hop. Plus vite. Je sais pas s'il y en a un ou pas. Bon, on va essayer de réussir ce combat. C'est un petit truc tranquille. Je suis sûre que j'étais arrivée à la fin en plus. Fallait que je nettoie l'armure du 2 et qu'il se déshabille et que l'autre il puisse avouer ses sentiments et tout et voilà. Ah. Ok. Je vais commencer par lui peut-être. Par ça. Ah mais... Marrant, qu'est-ce qui se passe avec le strampole? J'en peux plus. Il fait trop chaud. Et l'autre, il faut qu'il avoue ses sentiments. Parce qu'il est un peu en... Il est pas bien là. On va murmurer. Et du coup, t'as des trucs qui tremblent, qui sont imprévisibles. C'était presque. Mec, j'en peux plus. C'est plus fort que moi. Genre, numéro 2, je veux dire. Genre, je te kiffe. t'es, ta façon de te battre, ta façon de parler, c'est trop mignon. J'aime trop tes attaques en duo. J'adore quand on reste là tous les deux à faire tournoyer nos armes en synchro. Oui, numéro 2, oui, je veux dire, genre, je veux que ça continue comme ça. Surtout, vous gênez surtout pas, moi je suis encore là, vous pouvez me laisser partir? Non? Bouillage, t'es eu, mec, haha. Numéro 1, ouais, mec. Ça te dirait d'aller manger une glace après ça? Carrément, mec! Ouais, la bromance. Vous savez quoi, les gars? Moi, je vous laisse et puis je pars. Allez faire ce que vous voulez avec votre glace. Moi, je m'en vais. Qu'est-ce que... Oh. Je m'en fiche. Oh là là, on va encore refaire une émission, c'est ça? C'est déjà réglé grâce à mes compétences en piratage. Salut Florent! Comment ça va? Qu'est-ce que c'est que ce truc? La marque MTT domine toujours. Ok, d'accord, on est à la télé, d'accord, ok. Sérieusement? Oh oui! Bonsoir mes belles et mes beaux. Ici Mettaton, en direct d'une MTT News. C'est pas quelque chose d'intéressant à l'est de la Calciter. Par chance, il s'avère que notre reporter se trouve en direct. Brave reporter, trouve-nous un scoop intéressant. Nos 10 merveilleux spectateurs t'attendent. Bah, le seul scoop que j'ai, c'est les deux... C'est quoi ce truc? Oh non, c'est script de film. Qu'est-ce qu'il fait ici? C'est une prévue consciente de mon prochain film qui sera assurément de la bombe. Mais attends, le film 28 avec en vedette Mettaton. Après ce que j'en sais, tout comme les autres films, ce dernier mettra surtout en avant 4 heures de chute de pétales de rose sur mon corps allongé. Quel genre de fantasme vous avez? D'accord. Oh, mais rien n'est encore confirmé. Tu ne voudras pas spoiler mon film avec un shot promotionnel, dis-moi. Faire un reportage là-dessus. Allez voir, oui, non. Vas-y, allez. Attention, cher public, notre reporter a trouvé un script de film. Oh là là, on dirait le script de mon dernier film. Dépêchons-nous de l'ouvrir sans plus attendre. Découvrons cette exclusivité. Oh, mais qu'est-ce donc l'intérieur? Une bombe? Oh là là, je suis passée à côté de ce sens profond du film. Ce tien est une véritable bombe. Ah, oh, quel jeu de mots. Ah, et le box-office qu'elle va exploser, c'est toi. Pas si vite. Vous n'avez pas encore vu le reste de la salle. Oh ciel, il semblerait que tout dans cette zone soit en fait une bombe. Ce chien est une bombe. Ce ballon est une bombe. Même mes mots sont une bombe. Ah! Bravo reporter, si tu me désamorces pas toutes ces bombes, cette chose, cette grosse bombe, d'ici 10 minutes. Trop de pression là. Après quoi, pour les lives, ça risque d'être un peu mort. En effet, qu'est-ce que c'est? Quelle horreur! Brisage du 4e mur. Ouais, un chien bombe, ouais. T'as vu ça un peu, le chaton? Nos 9 téléspectateurs vont vraiment adorer. Bonne chance, Trésor. T'en fais pas. J'ai installé un programme de déminage sur ton téléphone. Appuie sur désamorcer quand la bombe passe dans la zone de déminage. Allez, tu sais ce que tu as fait. J'adore. Quand la bombe passe dans la... Je comprends pas. Ah mais non, fallait pas que je... Ok. Ok, c'est une question de temps. Ok. Ah, la musique, elle est trop bien. La Waf Bombe, en effet. Elle est trop bien la musique. Par contre, j'ai pas de... Oh, 52 secondes déjà, attends 46... Ah, oh, on peut pas passer par là. Ah là là, là c'est une question de temps. Je suis revenue ici, ok. Par là, il n'y a rien. Ah, le script. Ah, dommage. J'aurais pas assez de temps. J'aurais pas assez de temps. Oui, je sais. Voilà, mais je reste 8 secondes, c'est pas assez. En bas à gauche. Non, j'ai pas assez de temps. Allez, c'est bon. J'ai réussi? Waouh, bien joué Trésor. Alors, qu'est-ce que tu me racontes, Florent? Ah, t'es en audio, d'accord. Ben, tu entends ma belle voix et le jeu, voilà. Profite bien. Toutes les bombes sont désamorcées et si tu n'avais pas réussi, la méga bombe aurait explosé au bout de 2 minutes. Mais désormais, elle n'explose plus dans 2 minutes. En fait, elle explosera dans 2 secondes. Je te fais un plaisir, Trésor. D'accord. Bah oui, merci. Hein. Le petit GG, ça fait du bien. Il semblerait que la bombe ait un souci technique, tant mieux. C'est parce que pendant que tu faisais ton monologue, j'ai changé... Oh non, tu nous as sauvé la bombe grâce à tes talents de hacker. Qu'est-ce qui t'arrive, Florent? Ah, tu veux écrire GG, ok. Ok, cool. Ouais, c'est exactement ça. Maldiction, nous voilà de nouveau totalement désemparés. Maudit sois-tu, humain. Maudit sois-tu, Alphys. Toi et ton aide précieuse. Et je ne maudis pas mes 8 braves téléspectateurs pour leur fidélité. À la voyure, Trésor. Waouh, on lui a donné une bonne leçon. Je sais que j'ai pas fait la meilleure première impression, mais je crois que je deviens beaucoup moins tente à te venir en aide. Ben, c'est gentil que tu m'aides, mais essaie de moins me stalker, s'il te plaît. Merci, Florent. Bon, GG. Fais pas attention à ce gros robot stupide. Je m'empêcherai de te faire du mal. Merci. Faut vraiment en arriver là, il suffirait de l'éteindre. Non, rien. Ah, plus. Ok. C'était bien sympa ce passage avec les bombes, j'ai beaucoup aimé. Oh, qu'est-ce que tu me veux encore? J'ai remarqué que tu ne disais pas grand-chose. Tu t'inquiètes à propos de ta rencontre avec Asgore? Écrit en rouge. Maintenant, fais pas d'accord. Le roi est vraiment quelqu'un de bien. Je suis sûre que tu arriveras à le raisonner et avec ton âme humaine, tu peux traverser la barrière sans problème. Garde le sourire et on oublie ces histoires. Merci. Ah bah oui, c'est triste. Gauche 3. Il n'y avait pas gauche 3. Si tu veux faire qu'on fasse un live ASMR spécial, faut faire vaut mieux que ce soit un live, enfin tu vois quoi, dédié quoi. Mais bon, est-ce que CoolStream est prêt à faire des lives ASMR? Alors. oui, le gros salon, mon sucre, désirais-tu goûter un de nos arachno-pâtisseries? Ça, ils vont au profit des araignées. On dirait une sorte de bracelet de force. Ah, c'est qu'un croissant. C'est un arachno-donut. Il semble un peu plus caoutchouteux que d'habitude. Ok. Et lui, qu'est-ce qui lui arrive? J'ai fini par acheter un donut. Je ne voulais pas. Mais cette fille, mais même quand je lui ai dit non, elle a continué à me regarder avec cet air flippant, tout en se léchant les babines. Et maintenant, je n'ai plus d'argent. Oh non! Ah! Non! J'ai assez au fait, attends. Ah non, 505. Ok, j'avais lu autre chose. Non, bah, au revoir. Ouf. J'aime bien les passages énigmes avec des énigmes. Oh! Sans elle, par contre. Oui, Alphys. Oui, je sais. D'accord, merci. Oh là là. Je n'ai pas vraiment donné les solutions aux énigmes, mais si tu as besoin d'aide, appelle-moi. D'accord? En fait, attends, j'ai une idée. Devenons amis sur Internet. Tu n'auras plus qu'à me bipper quand tu as besoin d'aide. Mais attends, on est déjà amis, non? Parce que je t'avais déjà créé un compte, du coup tu lis mes posts depuis le début. Bon ben j'espère que tu veux donner ma vie. Ah. Attends, on va descendre pour voir. On va commencer à aller à droite. Parce que je vois pas ce qu'il peut. Ok. C'est par là où je dois aller, d'accord. On va remonter pour voir. C'est la même chose ici? Ok. Ok. C'était pas là tout à l'heure, eux. Ok, bon. Hop, et je vais redescendre. Ah, je peux pas descendre par là. Ah, je bouge plus. Attends. Ok, bon bah... Je me fais avoir bêtement. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Pas vraiment de rapport avec la situation, mais... Qu'est-ce qu'il y a, Naro, avec l'ostropole? Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu spammes le chat comme ça, avec ça? T'as pas assez de réponse, c'est ça? Quand on regarde une série télé humaine ensemble, NC4, ça s'appelle Miou Miou Mi Mi Bisou. Carrément non. Comme, si tu veux, vas-y. C'est ma série préférée. Ça part d'une fille humaine, Miou Miou, qui a des oreilles de chat. Ah mais si, je connais Miou Miou. Ah bah non, c'est pas ça, attends. Ah bah non, ça n'a rien à voir avec ça. Rien à voir avec Minou. Oh, ça va là, arrête de parler là. Bah bienvenue sur la CoolStream TV, Miku. Merci pour ton follow. Hein. Merci beaucoup. Est-ce que ça va? Bon, je lis même pas ce qu'elle raconte. Hein, elle parle trop. Bienvenue parmi la confrérie des flocons, Rin Miku. Ouais, on regardera, mais là tu m'as tout spoilé là, non? Je sais pas. Ah, j'ai fait pareil que tout à l'heure, là. Attends. Alors. Il pose des questions bizarres. Bon. Merci, les chatons. Parce que là, bon. Comment faire? Peut-être que c'est pas la bonne technique que j'ai faite. Ah non, j'étais presque. Oh non. Comment faire? Faut que j'en cale un dans un des trous et ensuite... Ah, pour pouvoir si on fait des... si CoolStream fait un live ASMR ou pas, alors dites-moi quels sont les résultats. J'ai fait des trucs beaucoup plus compliqués dans Zero Escape et là je galère. Ah. Même là. Attention, il faudrait que je fasse en haut ou en bas. Ah! Attends, je vais voir s'il peut remettre du début. Voilà. C'était tout simple. Moi, un live ASMR sur Fortnite. J'ai pas envie de jouer à Fortnite. Mais bon, il faut bien un cactus. Ok, un cactus, d'accord. Du coup, la porte, elle était où déjà? Ah ok, c'était là-haut. Juste ici. Merci Naru. J'ai pas envie de faire Fortnite, mais j'ai encore moins envie de faire de l'ASMR. Voilà. Mais bon. Ça va, on a bien avancé quand même en une heure. Merci le chaton, c'est vrai, ouais. Oui, merci Florent pour le GG. Oh là là. On est à arrivé au château, je pense. Alors, je vais éviter de marcher sur les toiles d'araignée. Oh non. Non. C'est ça que tu disais tout à l'heure... Adesama, avec... ouais, du coup, il va y avoir un niveau avec l'araignée, là. Oh, les araignées, c'est ça? Oh non. Spider Dance, oui, merci, chaton, oui. Exactement. Je dirigerai par ici. Mais me venez pas dessus. Surtout de dire que les humains détestent les araignées. Oui. J'ai oublié de marcher dessus. Ils adoraient les écraser. Parce que vous nous faites... Du coup, je pose plus mes pieds au sol, voilà, je suis plus sereine. En plus, dans la semaine, j'ai fait un cauchemar. En plus, il y avait une araignée. Et bien, une énorme araignée sur le bras de mon frère. Il n'arrêtait pas de le... Enfin, en fait, elle l'avait été sur sa main. Il l'a jetée au sol. Et elle n'arrêtait pas de rebondir au sol pour me venir vers moi et tout. Du coup, je me suis réveillée. Oh, c'était pas bien, j'étais genre... Voilà, bon. J'aime pas ça. C'était une grosse araignée, hein. C'est pas genre les celles avec des grosses pattes. Non, non. Celle avec un gros corps et les petites pattes. Voilà. Donc voilà, là je suis pas sereine du tout, là je pose plus les pieds par terre. J'ai entendu dire qu'ils étaient radins comme pas deux. Ouais bah ça coûtait 9000 trucs tes gâteaux là. Hein. Non, c'est parce que c'est trop cher. Je crois bien que ton goût est pile ce qu'il manque à notre prochaine fourrure. Quoi ? Oh non. Qu'est-ce qu'il faut que je lui fasse? Elle est aussi vénale que ça? Ah là là. Instant lèvres sèches. Je me prépare. En fait, c'est pas. En fait, je me retrousse pas les manches, je me mets du stick à lèvres. Je suis prête à affronter les araignées maintenant. Avec tes lèvres hydratées. Ah. Se débattre, moi je pense que ça va vouloir qu'on paye. Hein. Vous débattez pour sortir, mais faites-nous sa main devant la bouche et se gauche de vous. N'aie pas l'air si morose, mon sucre. Ah, violet va nettement mieux. Ouais, c'est ma couleur préférée en plus de violet. C'est dans une étrange toile mauve. Se débattre. Si je paye 10 pièces, me faites réduire son attaque pour un tour. L'araignée claque des doigts en suivant le tempo. Pourquoi il y a suivant au-dessus? Ok. Débattez pour sortir, un petit éclat de rire et tape des mains. Des succulents gâteaux, fufu. En fait, faut payer à chaque fois, quoi, c'est ça? Ah! Vitesse d'araignée. Non, j'ai pas payé à chaque fois. Non, arrête, Yama, non! Faut pas faire ça! Si l'araignée demande l'argent, je lui donne direct. Moi, non. Va voir ton cousin Spider-Man à New York. Je pense qu'il est beaucoup mieux payé. Faut que je tienne au minimum 20 tours. Même si je fais me débattre. Et si je fais me débattre, au fur et à mesure, les ennemis changent. Ça, ils vont plus vite et tout. Sans payer pour pas avoir plus d'argent. Parce que sinon... Et... Ouais. Faut... En fait, je pense qu'il faut payer au moment où on sait que ça va être chaud. Comme ça, elle baisse un peu l'attaque, quoi. Ok, d'accord. Merci pour le conseil. Ça sert à rien, ok. Merci. Vous êtes deux à me l'avoir dit. Ok, j'ai compris. C'est parti. Je suis concentrée là. Ça va un peu vite. Voilà. Les gâteaux. Les casse-côtes après tout, amusez-vous bien. Hein? Wait! Oh non, attends, ça appuie vite. Ça appuie vite! Oh non, oh non, 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 qu'est-ce qu'elle va me faire? Le joystick, c'est pas une bonne idée. Le joystick, c'est pas une bonne idée. Est-ce que si je prends... Ça vaut pas le coup. Est-ce que j'ai sauvegardé loin ou pas? J'ai sauvegardé juste avant de rentrer dans le château, non? Je pense déjà au game over, vous avez vu. Il nous a parlé de toi. Oh non. Ouais. Faut que je vois si on l'a sauvegardé il y a longtemps ou pas. Parce que j'en suis un plus. Oh! Ça va vite. Ah, salut Black! Ça va? Ah, je suis contente que tu passes par ici. Salut, salut. Ben ça va, tu vas venir me voir déverser du sel sur Undertale. C'est sympa. Du coup... Alors... Ah, fallait pas que je bouge. Non. Voilà. Un PV. Un PV. Ouais, allez, allez, un PV, allez, allez, super. Hein? Merci Adesama. Merci pour ton soutien. Ah là là. Ouf. Avec ma tête en plus. Ah, c'est des boomerangs, ok. J'ai tenu. Est-ce que c'est pas le moment où je devrais prendre... J juste pour me... Ouais... Oui... Ça me donne combien de PV? Mais Seven aussi, t'es là, mais ça fait plaisir que vous passiez, c'est vraiment cool. Il n'y a pas de modestie ici, Seven, désolé, moi je sais que je fail. Je suis... voilà. Comment vous allez avec Black? Alors c'est un peu long hein, quand même, hein, pour faire tout ça. Hein. Tout ça pour 8 PV? J'aurais mieux fait de les garder. Alors. Bon bah pour 8 PV. Ça va aller de plus en plus vite. Non, voilà. Voilà, je vous Black et Seven, je vous accueille avec un game over. C'est super. Ah, ah. C'est cool. Merci pour tes encouragements, le chaton et Naru, pour vos encouragements, mais voilà. Quoi? Tu peux pas me faire ça, le chaton? Non mais, mourir sur la place publique. Psychologiquement, j'évite... Ah ok, il me fait pas refaire les dialogues, ok. Ouais, bah oui, venez voir le skill. Ah là là. Oh, oh, je peux plus bouger là. Je peux plus bouger. J'ai testé les araignées. Bah oui. Vous me faites peur. Bon, cette fois, on paye pas et on se débat. C'est parti. Ouais, de toute façon, là, je suis obligée de l'avoir, le liquide violet. C'est parti. Donc tu m'avais dit 20 tours à Adesama, c'est ça? Bébé. Pour l'instant ça va. Une nouvelle surprise? Un autre troll, c'est ça? Venant de toi maintenant, je me méfie maintenant. Pour l'instant, ça va. Si, mais il nous annonce qu'il va avoir juste après, quoi. Mais genre plein de petites araignées avec des bouboules. Ah oui, c'est vrai, lui il était chiant. Il était un peu chiant, le familier. Là, ça va de plus en plus vite. Bon, ça va, je me débrouille mieux tout à l'heure. Il m'a bouffé. Il a failli me bouffer. Merci, Black. Des donuts. Ok. Ben j'irai voir à la fin, Oyama. Là je suis en train de. Je suis en plein boss, ok, d'accord. J'irai voir à la fin le surprise. Attends. Sauf si c'est urgent maintenant, que ça peut m'aider, mais voilà. Oh là là, oh là là, oh là là. Oh là là, non, 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 non. Ah, désolé, le live il est un peu en train d'être en PLS, je sais pas si c'est bon de votre côté. Alors. Ah! Merci Seven, c'est gentil. Me faites... Alors, Là cette fois il y a 5 pièces d'or, je veux bien en payer un tout petit peu pour qu'elle baisse un peu l'attaque. Voilà. C'était une réduction, quoi. Faut que je reste en haut. Oh non, les boomerangs. Pas les boomerangs, non. Allez, les boomerangs, c'est parti. J'ai pas compté le nombre de tours que j'ai fait, par contre. Ah non, il va y avoir son familier encore. Oh non, 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 non. N'importe quoi là. Ah voilà. Bravo. C'est 3 game over ce soir. Voilà. Super. Faut que je me concentre. Ok. Je suis concentrée. Je retrousse mes manches. Je craque mes doigts. On va écraser des araignées ce soir. C'est parti. Mais je fais aucun effort. Bah si, j'en fais. Comment ça, j'en fais pas? Et ça fait 3 game over, tu comptes mal. Ah là là. Allez, on va y avancer voir. 20 tours à tenir, je vais pas y arriver. Hein. Alors. Là, je suis obligée de le subir. Je fonce dedans et je fais aucun effort, mais. Sniff. Je fais de mon mieux. Ah non, ils sont familiers, c'est pas vrai. Bon, j'avais réussi tout à l'heure, mais bon, là... Ça va de plus en plus vite. Ah, dommage. Ah non, non, je voulais pas faire ça. On arrive bientôt à l'heure où j'ai prévu d'arrêter le live, donc j'ai essayé encore une ou deux fois et puis... Voilà, c'est pas un rage quit, hein. C'est juste que j'avais prévu d'arrêter à 22h30. On a bien avancé, je trouve. J'ai pas eu trop de... J'ai pas trop galéré à cause d'un boss. Sauf là, maintenant, vers la fin. Donc ça va, je suis fière de moi quand même. Heureusement que vous étiez là pour m'aider. Mais bon, voilà, je vais essayer de la faire, celle-là, quand même, parce que... Mais c'est bon. D'accord. Ah, attention. Ok, on va essayer. Ah, à chaque fois je me fais avoir ici. Oh là là. J'ai dit j'essayais deux fois encore. Hein. Donc encore deux fois. Ah là là, est-ce que j'ai full vie normalement, non? Ouais, j'ai full. En partant. Ah là là. Et ouais, le RIP. Ah, c'est cru. Exactement cru, hein. Exact. Et qu'un certain petit pingre du moins... Ouais, voilà, bon. Je répète ce qu'elle dit tout à l'heure. Non, 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 non. Ah. La concentration. Exactement, Adesama. Mais de toute façon, même sur toute ma vie, araignée 1000, Daphnée 0. Hein. Pour te dire, franchement, je suis trop malchanceuse avec les araignées. À chaque fois qu'on va en vacances ou qu'on va dans un hôtel, enfin pas un hôtel, mais dans les villages vacances, dans les logements vacances, etc., les cottages et tout, à chaque fois, genre, il y a toujours eu soit une araignée dans ma chambre, soit il y en a une dans la salle de bain, mais quand c'est à mon tour de me laver, elle bouge. C'est-à-dire mes parents, mes frères, ils passent pour se laver tranquille. C'est quand moi j'arrive, je la vois, bon elle est dans son coin, je me dis bon elle va pas bouger. Et non, la fenêtre est là, elle bouge. Voilà. Ah, l'heure du familier, du casse-croûte du familier, pardon. Je pense au moment où il y aura le... Au moment où il y a le familier, je vais utiliser les joysticks. Comme ça je peux faire un haut à droite facilement parce que là je galère un peu avec les flèches actionnelles. Je pense que je vais faire ça, là pour le dernier coup. Ah, c'est pile poil quand même hein. Et oui Seven, c'est ça, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'il y a que ouah, Adesama. Maman chèvre. Qu'est-ce qui se passe, maman chèvre? Salut Yume Gacha, Yume Gacha, pardon. Bienvenue. Ça va bien? Ah. Tu veux prendre la PS Vita maintenant, Seven? Ah, ça va vite! Allez, les boomerangs, c'est parti. C'est à partir de là où je galère. Est-ce que ça vaudrait pas le coup de prendre les 8 PV maintenant, vu que c'est à partir de là où je galère? Ça va être long par contre. Pendant ce temps, j'ai le temps de voir ce que vous me racontez. En spammant le bouton. Qu'est-ce qui se passe à Adesama? Mais de quoi j'ai tué maman chèvre? Je comprends pas ce que vous racontez, moi. Ah, Toriel! Oui, j'ai tué Toriel. Mais c'est la seule personne que j'ai tuée dans le jeu pour l'instant. Parce que Undyne, je l'ai pas tuée et... Papyrus non plus, donc ouais, voilà. C'est la seule. Parce qu'au début, j'ai essayé de faire combattre, mais sauf que j'arrivais pas à lui enlever assez de PV, alors que quand je... Enfin, voilà. Du coup, je me suis dit, bon, je sais plus ce que j'avais fait, en fait. Non, je crois que j'avais tenté de faire, genre, les actions, mais ça marchait pas trop. Ouais, mais ça sert à rien, mais ça me ramène 8 PV quand même, et avec mon skill, voilà. Ça... Voilà. Parce que vu que je me prends des petits coups qui servent à rien de temps en temps. Oui, j'ai avoué. Appelez la police maintenant. Non, mais tu es pas. Il faut... Je mérite un jugement quand même. Ah, le familier, c'est parti. Oui, c'est ma toute première run, Seven. Toute première. Ma toute première fois. Pardon. Je galère à partir d'ici. Non! 7 PV, voilà. Mais qu'est-ce que vous... Mais pourquoi vous êtes tous déçus? Ah non, les joysticks, c'est pas une bonne idée. Voilà, à chaque fois, je perds ici. Est-ce que je vais pouvoir dépasser enfin? Non! Non, non, tout va bien, Yume Gacha, je comprends très bien. Mais pourquoi est-ce que vous êtes tous choqués? Mais c'est comme ça, écoutez. Mais... Bon, j'essaye la dernière fois. Je sais que là, je vois, vous êtes tous déçus que j'ai tué Toriel. Ben... Quand j'aurai enfin fini... que j'aurais enfin réussi ces araignées, ben, si je fais une seconde run, j'essaierai de... D'ailleurs, je sais même pas si je peux mettre plusieurs saves sur le jeu, je sais pas. Je peux retenter, voir si je peux pas le... Je peux ne pas la tuer pour partir, mais... Que je m'en sors mieux à droite. À droite, quand il y a le familier, c'est ça ? T'es anglaise? Bah tu t'en sors très bien, hein, on le savait pas. On savait pas. Bon. Merci le correcteur. Mais tu sens ça. Oui, mais c'est très bien. Mais du coup, tu comprends pas ce qu'on dit ou tu comprends, enfin... Je sais pas. Tu comprends un peu ce que je raconte? Ou tu veux que je parle en anglais? Do you understand what I'm saying or you want me to talk in English? For you? Or you understand me when I'm talking in French? Ok, donc tu comprends le français, c'est bon. Donc ça va, je peux rester en français. C'est parti, le familier. Je vais tester du coup à droite, comme tu avais dit, Seven, pour voir si c'est... Qui se fout de moi? Bah, je sais que vous êtes tous en vocal en train de vous foutre de moi, mais je sais que le samouraï surveille, donc bon, il me dira tout après. Il va me faire un rapport détaillé de tout ce que vous avez dit de méchant, hein, après. Ou non, de ce que vous m'avez dit de gentil, allez, j'ai pas envie d'être négative. C'est vrai qu'à droite c'est un peu plus safe pour cette première là, mais c'est juste. Non, t'inquiète pas, Yume, il parlait de moi. Ils sont tous en vocal sur le Discord. Est-ce que t'es sur le Discord du coup de la CoolStream, Yume? Ah, est-ce qu'un aimable et Modo pourrait partager le lien du Discord pour que Yume puisse vous rejoindre? Même, je crois que même les viewers, on pouvait le faire, hein. Je sais même pas. Point d'exclamation Discord, tout simplement. Il me semble. Ah, t'as pas Discord, d'accord, ok. Sans faute d'orthographe, Oyama, c'est mieux. Non, ça marche pas quand les viewers le font, ok. Merci pour le test, Oyama. Je peux me permettre de t'utiliser comme cobaye maintenant que tu nous as troll. Hein? Bah, Au tour d'avant, je me souviens, quand j'étais arrivée au moment des boomerangs, j'avais que 11 PV, là j'en ai 24. Yume, tu me portes chance. Et les conseils de Seven aussi. Oulala, 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 je pars trop vite. C'est parti pour le familier. Et ça va aller très vite. Faut pas que je m'arrête. Ah! Alors pourquoi il s'appelle Didier? Parce qu'en fait Didier c'est le nom de notre mascotte sur CoolStream. Voilà. Donc attends, je vais te le montrer. C'est un bûcheron, je sais pas si tu vas voir. Ouh là là. qui est un bûcheron avec une barbe, avec, qui boit de la bière, qui est à bout vivant et qui balance du sel sur le live. Enfin, sur, voilà, quand il y a du sel, quand... Voilà. Donc là, je pense qu'il est très actif, Didier. Voilà. Et vu que le CoolStream, tu vois, c'est un peu la glace, donc le sel, c'est fondre la glace, tu vois. Donc, ouais. En tout cas, là, il me reste 3 PV. Je pense que... Oula. Je vais en avoir du... Oh, j'aurais pas dû faire ça, c'est pas grave. En fait, je passe avec le droit de ce côté. Ok. Ça va trop vite! Ok, il n'y aura que des donuts cette fois. Oh là là. Ah! Non, bon, c'était le dernier essai. Je suis allée plus loin que juste avant. Oh là là. Est-ce que je retente une fois encore? Allez, une dernière fois, je suis allée plus loin. Oui, RIP, merci. Je suis allée plus loin, je suis contente. Une dernière. Les araignées, c'est le boss final de ma vie, quoi. Exactement, je suis morte de décès. La mort, ça tue. Si, j'ai un seul objet de soin, c'est les nouilles instantanées qui me donnent que 8 PV. Voilà, mais bon. Faut que je pense à les utiliser au bon moment, quoi. Et ouais. Je me souviens plus, mais je sais plus quand est-ce que j'avais commencé à les avoir, les nuits instantanées. Ok, bah merci d'être passé, Oyama, c'était un plaisir. Merci pour être sub. Et voilà. Évite de faire trop de trolls la prochaine fois. À la prochaine. Oh là là là. Je ne les ai pas vu venir. Non mais oh. Ah, je vais pas faire ça, c'est pas grave. Oui, oui. C'est quoi, c'est les... Ah. Oh non, le familier. Ah! Non, une fois, une seule fois. Trop tôt. Par là. C'est un peu juste là cette fois. Oh! 7 PV, super! PV. La fatigue commence à se faire sentir. Oh Oh, ça c'est joué à un cheveu. Un cheveu. Un cheveu. C'est pas vrai. J'ai pas envie de la tuer. Je suis obligée de le faire. Merci pour ton abonnement, Yumegacha. J'aime bien, il y a plein de fels, mais il y a plein de gens qui viennent nous rejoindre. C'est gentil. C'est cool. Bon. Ah là là, elle vient de s'abonner. Est-ce que je sais bien si je pars maintenant? IL. Ben allez, je vais pour la dernière. Voilà. Ouais, encore une, ouais. Mais non, faut que j'arrête à un moment donné. Maxi 23h, mais bon, là, voilà, la dernière. The last one. Après, samedi prochain, je ferai la suite. Sauf si mercredi, je rentre tôt. Ouais, bah, c'est bon, bah, t'étais pas un flocon encore. Ah, c'est gentil. Merci. Bon. Et Black aussi. Merci beaucoup, oui. Merci beaucoup à tous les deux. Ben, en fait, moi, j'ai pas envie de faire... le chaton, en fait, moi, j'ai pas envie de faire la run génocide où on tue, quoi. Même si j'ai tué Toriel au début. Mais depuis le début, ce que je fais, c'est que je fais juste des actions et pas... Voilà. Pas de combat. Bah... Vous voulez que je teste le combat ? Parce que bon... C'est-à-dire que, par exemple... Vu que tu m'as dit que... Tu me disais, Adesama, que faut tenir 20 tours, c'est-à-dire que si j'alterne entre des tours de combat et d'action... Bon, bah... Allez, hein. Même si je fais ça... Ouais, non. Sans chameau, ouais, je sais. Ah, bah, vous me donnez des conseils, moi je galère. Moi, je prends vos conseils aussi. Salut, Nikoko! Comment va? J'essaye, ok? C'est la dernière... Allez. J'ai tellement pas fait combat que je sais même pas comment... Je ne sais même plus comment faire. Ouais, c'est marrant, mais je prends les conseils aussi. Allez, on va tenter ça. Ah, les PV partent... Je fais pas une erreur en faisant ça, je ne sais pas. Avec du skill, je pense qu'on peut tenir sans se battre, mais... Merci d'être passé, Florent, même si tu n'as écouté qu'en audio. À une prochaine. Bonne soirée. Parce que bon, je pense que le mieux à faire quand on voit une araignée, c'est de l'écraser, donc voilà. Taper les gens, c'est la solution à tout. Et oui. Écraser les araignées, je pense que c'est plus simple. Oh non, pas le familier. Non. Je perds trop de PV à ce moment-là. Ah! Alors, qu'est-ce qu'il me raconte? De base, au début, on peut acheter une arachno-pâtisserie. Et le but, c'est d'acheter la pâtisserie et d'arriver à me faire tu peux manger la pâtisserie devant elle pour qu'elle te laisse partir. Ah, tu partais, Yume. Salut. Ben, en fait, je crois que la pâtisserie, je l'avais déjà mangée avant. Mais je sais pas. En fait, tous ces tips, on les sait pas. Hein. On ne sait pas quand on commence à jouer. Donc, oups. C'est-à-dire que je l'ai plus la pâtisserie en vrai, donc non, je sais pas. Je l'ai déjà mangé avant quoi. Ça je savais pas. Bah écoute, Naru, quand il y a une araignée, je deviens tout de suite une warrior quoi. Il faut éliminer l'ennemi. Si elle me laisse tranquille et que j'ouvre la fenêtre, elle sort, tu vois, mais genre celle qui se balade sur le plafond et qui vient dans ton lit, genre... Non ? Non, non, reste loin. Fais ta vie. T'as pas besoin de moi. Donc, oui. Mais pourquoi vous êtes... De toute façon, celle-là, je sais pas si je vais tenir jusqu'au bout. Mais quoi? Mais je suis pas méchante. Vous n'êtes pas des araignées, sauf si vous êtes des araignées. Vous avez une vie cachée, vous êtes des araignées, là je pourrais comprendre, mais... Alors là je vais me faire avoir bêtement. Ah, et les boomerangs, c'est parti. Je suis arrivée au moment où je galère, mais... Ouais, non, ça ne sert à rien de faire combat. Hop, hop. Là, ça va être le familier où je perds à chaque fois. Mais non, je veux pas tous vous tuer. Vous êtes tous gentils avec moi. Ah, ben voilà. Bah oui, ben voilà. Là, vous m'avez tué, voilà. Vous êtes contente? Didier, garde ta détermination. Ça sera pour une prochaine fois. Ah, je resave au cas où. Allez. Sur ce, il va être 23h. Je vais... Ma grosse tête. Je vais arrêter le live maintenant, c'était bien cool. J'ai vraiment beaucoup à être passé aujourd'hui, c'était vraiment bien. Bon bah chers amis, je vous laisse maintenant. Voilà, je vous laisse. Arrêtez. Faut que j'aille me reposer maintenant. Coucou à tous. Reposez-vous bien. De toute façon, je reviens sur Discord, mais j'arrête de jouer à Undertale. Voilà. Voilà, je vous laisse. Et non, je ne reviendrai pas. Continuez à fleurer. Je suis désolée.